Julien Besse, président de l'association Sainte-Pégrin, un petit jardin qui se trouve à la Motte en Provence, dans le Var. Et du coup, je vais vous présenter toute notre asso, notre histoire et nos projets. On est ici dans ce beau lieu qui s'appelle le Jardin des Peupliers. Et cette association a pour but donc d'éduquer à l'environnement et en utilisant les méthodes donc permacole. Donc la permaculture est vraiment présente dans tous nos projets. Et l'idée, c'est justement de sensibiliser un maximum de personnes à travers différents ateliers, séminaires, conférences, juste à la vie tout simplement au jardin avec différents types d'adhérents, donc des adhérents actifs qui viennent régulièrement et d'autres adhérents qui sont sympathisants pour nous et qui viennent que ponctuellement nous aider au jardin. On a pu contacter la mairie qui nous a proposé ce terrain-là, qui fait à peu près 1,5 hectare. Et donc à l'origine, c'était que des vignes en friche depuis 10 ans. Donc on a fait un énorme travail là-dessus, on a tout défriché, on a enlevé toutes les vignes, arraché, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a créé un mandala, on a créé un verger, on a créé un lieu d'accueil, on a créé une zone pédagogique pour les enfants, pour les classes, pour les centres aérés. On a une zone beaucoup plus zen pour méditation, pour les cours de yoga, on est en bord d'une rivière. Enfin voilà, un super lieu qui nous demande juste à être développé et à donner vie encore plus et encore plus. Donc on aimerait justement pouvoir fournir des légumes bio, locaux et à nos enfants de notre village. On aimerait pouvoir accueillir des formations aussi autour de la permaculture, autour du vivant. Faire des conférences, faire un lieu culturel aussi, avec des concerts, avec un festival éventuellement. On a plein d'idées, mais pour ça, il faut qu'on développe notre lieu. Il faut qu'on le rende de plus en plus autonome. C'est vraiment dans notre esprit de le rendre de plus en plus autonome, aussi bien en eau et en énergie sur le jardin. Et pour ça, on a besoin de vos dons. On va avoir besoin de vous dans le sens où aujourd'hui, on a besoin d'une pompe de relevage pour la rivière, une cuve souple de 30 000 litres donc qui va nous permettre d'avoir des réserves pour l'été. Mais pour ça, on a besoin d'un apport suffisant de 2 000 euros aujourd'hui qui nous permettrait justement d'accéder à la totalité de cet équipement. On fait appel à vous pour soutenir notre énergie, notre jardin et pour qu'il continue à vivre et à transmettre les bonnes valeurs qu'on nous offre. Alors si vous aussi vous êtes passionné et que vous avez les mêmes valeurs que nous autour du jardin, n'hésitez surtout pas à nous soutenir car ensemble on peut aller vraiment plus loin. Merci à tous, on compte sur vous et à bientôt au jardin. Merci à tous pour votre soutien. Alors, si toi aussi tu es passionné et que tu partages... Elodie de l'association Sainte-Agraine. Alors si vous aussi vous êtes passionné par l'association parce qu'ensemble on va aller plus loin. À bientôt au jardin. Oh, faut que je repasse. À bientôt au jardin, on compte sur vous. Merci. 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 Merci à vous. Je m'appelle. Merci pour votre soutien. Ça tourne n'importe comment, je suis pour l'instant, vu que je l'ai appris, vous pouvez reprendre plusieurs fois, allez-y.